Salut à tous, comment ça va les potes? C'est l'histoire de la carabine unique X51 bis, la doyenne des carabines françaises 22 long rifle semi-automatique. Cette carabine est connue dans tous les stands de tir en France. Elle est arrivée en 1964 et fut un best-seller dans notre pays avec plus de 100 000 exemplaires, produits en 30 ans. Elle est directement issue de la X51 et dérivée de la V49. Son succès s'explique par sa fiabilité mécanique. Sa commercialisation dans les années 60, en vente libre au plus de 18 ans avec juste une simple petite CNI. Époque révolue malheureusement. Et son avantage indéniable, son fonctionnement en semi-automatique. Elle propose un démontage super méga simple à l'aide de la vis sur le flanc gauche du boîtier de la culasse. Il suffit de dévisser la vis pour la démonter en deux parties comme la Ruger 10-22 Takedown. Bon, le démontage c'est marrant, mais le remontage c'est quand même plus rassurant. Parlons du design de cette carabine. Oui, elle a des rides quand on compare avec les armes en catégorie B en 22 long rifle actuelles, comme par exemple le Smith & Wesson MP15, GSG5, ISSC MSR. Et bien savez-vous que la mécanique de la X51 bis est dans le FAMAS unique F11 22 long rifle. Oui, la petite manufacture d'armes des Pyrénées françaises était bien avant-gardiste. Bon nombre d'entre nous ont rencontré le FAMAS F11 22 dans les fêtes foraines. Revenons à l'alimentation. Elle s'effectue au moyen d'un chargeur de 10 coups, amovible, enfin 5 ou 10 coups, pardon. L'armement de la culasse se réalise à l'aide du bouton poussoir situé à l'avant du fût. La carabine est prête, faisons un essai à 20 mètres. Le groupement est loin d'être mauvais avec cette fameuse visée ouverte. Elle tire certes un peu haut, mais un groupement d'enfer. Sachez que la carabine dispose de deux queues d'aronde pour poser une nette avec des colliers compatibles en rail de 11 mm comme cet exemple. Elle possède un canon de 60 cm ainsi qu'un filetage à son extrémité en 1,5 par 20 pour y adapter un silencieux, dans ce filetage bien sûr. Elle propose un poids de 2,6 kg, avec une taille de guêpe, parfait si vous réalisez des tirs à l'épaule. Et le dernier paragraphe de notre vidéo, vous en connaissez beaucoup des carabines 22 long rifle semi-automatique, petit budget, avec un boîtier entièrement en acier, et qui fonctionne sans sourciller après 10 ans de loyaux service, et presque 60 ans pour celle-ci. Sur ce, à bientôt les potos.